Amen, gloire à Dieu. Mais ça vini, yon instrument pour bon Dieu, yon instrument sacré pour travail. Moi, ta remè vini, yon instrument pour bon Dieu, yon instrument sacré pour travailler. Et nous avons le privilège encore ce soir pour saluer notre cher pasteur et sa femme et ses collaborateurs et collaboratrices, et aussi à tous nos amis, nos voisins, nos cousines. Enfin, nous avons encore le privilège ce soir pour les saluer. De toute façon, je veux remercier encore le pasteur Carl, accompagné de la pasteur Carl. Donc, sans oublier ma bonne amie, sœur Elsie, à cause de la grâce de Dieu, sa référence, que je peux être ici ce soir. Donc, on est de la même famille, nous avons le même sang qui a été versé sur le bois du calvaire. Je vous remercie tous. Donc, bienvenue dans la maison du Seigneur, malgré qu'on est en ligne. Donc, nous allons continuer. Nous te voyons, bien-aimés, The Cues of Maîtrise de Soi. Donc, nous t'ai parlé en long et en large, en peu de mots, comment nous devons gérer tête, nous. Donc, la maîtrise de soi. Pour nous-mêmes qui branchons, nous avons notre conférence avec les Dames de Lumière. Donc, nous, dans Galates 5, nous considérons versets 22 et 23. Donc, ici, nous avons de cues of la maîtrise de soi. Donc, tout le monde connaît la maîtrise de soi qui s'éloigne des fruits de l'esprit, les 9 fruits de l'esprit. Donc, c'est un package. On dit le fruit de l'esprit, c'est comme un grappe de raisin. Il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, il y a la bonté, il y a la bienveillance, la foi, la douceur et enfin la maîtrise de soi. Donc, les Dames de Lumière ont le privilège pour choisir une 9 qui est dernier fruit, donc maîtrise de soi. Nous te définis comme ça. Nous te ouais, c'est et y a une qualité d'une personne qui compte dominer, qui compte contrôler. En un mot, nous te disons sans foi. Et en bon créole, nous te disons pour capable, rester que calme, rester que posé, rester tranquille. Parce que c'est ça chrétien a besoin, c'est ça croyant a besoin. Donc, un peu de mots, on a pu passer sur ça que nous te dit hier, pour nous capable connecter avec Assoya. Donc, nous avons une définition de maîtrise de soi, comme nous te disons. Nous avons une capacité pour nous capables réguler, contrôler, ou bien gérer l'émotion, nous. Parce que nous avons parlé comment sentiments, nos émotions, nos pensées, nos comportements, nos face à des situations ou des actions qui tangibles, qui fait pleurer, qui lamentables, n'ont pas capable pas maîtrise de soi comme étant des femmes chrétiennes, comme étant des femmes vertueuses, des femmes qui dans la volonté de Dieu. Donc nous disons selon la Bible, à part que nous t'ai défini là selon le dictionnaire là, mais nous t'ai défini aussi selon la Bible. Voyons maintenant selon la Bible. Dans le Nouveau Testament, nous une notation ça, ou encore l'expression ça, pour la maîtrise de soi, qui n'a pas lié à soi, des choses qui très bien, parce que tout le monde toujours dit, mais personne n'a pas porté attention à lui. Donc, elles sont inspirations de la part des Dames de Lumière pour porter cette belle expression pour bénir nous. Donc, nous te ouais, nous, y'on figure, y'on moun, c'est-à-dire y'on expression de maîtrise de soi, nous, ouais, son capacité dans l'esprit de figure, y'on moun fort, y'on moun qui est sûr de lui. Et si sûr de lui, nous ne pouvons pas comprendre, c'est de l'orgueil. Il est loin de là, un chrétien n'est pas orgueilleux, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de maîtrise de soi, parce que c'est un self-control, c'est un self-confidence pour montrer à gagner, à gérer, à récupérer, à dominer sur les choses que nous ne sommes pas capables de gérer ou bien accepter. Maintenant, nous t'ai dit un peu de mots, c'est une vertu. Parce que un peu mon cas comprendre, c'est un sentiment, son vertu et une qualité à la fois. Dans sans disposition que nous t'es well, pour nous t'es capable, pour nous démontrer comment pour agir, comment pour mettre en accord.
accord avec la loi divine. Parce que la maîtrise de soi, pas seulement pour mettre nous en accord avec la loi de la nature, la loi gouvernementale, la loi académique, parce que dans l'école, nous respectons le gouvernement, nous ne pouvons pas arrêter nous, mais nous croyons que c'est une disposition particulière pour nous conduire vertueuse, étant femme, pour nous arrêter impudique, mais pour nous pudique et chaste à la fois. Donc, nous voyons quelle importance maintenant. Souvenez-vous bien, on a parlé de cures of maîtrise du soi, c'est-à-dire toutes les questions que vous aurez à poser, toutes questions que vous avez posées et tout. Bien, pile que ou bien cure, mais pourtant, nous-mêmes, nous t'ai choisi, nous t'ai été là. Mais ici, quelle importance? L'importance, nous t'ai voulu aider nous à renforcer nos capacités, telles que maîtriser nos émotions, pour ne pas dire n'importe quoi, pour ne pas jouer mon avant le dire mon n'importe chose qui fait pleurer, qui fait chagrin, qui fait mon tristesse. Donc, nous aussi comprendre et anticiper, gérer soigneusement les autres. C'est pas pour nous vivre dans l'égoïsme. C'est-à-dire, c'est pour nous vivre comme des gens de bien. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous l'autre. Pas seulement aimer mari, madame, petit garçon, petite fille, ou bien maman, papa, ou bien voisin, ou bien un bon ami, ou bien un bon ami, mais aussi aimer les autres. C'est ça que nous besoin comme étant des gens, des dames vertueuses, des dames de Dieu, des dames dans la foi, qui ont lutté le bon combat. Chose qui n'est pas facile. Mais quand on est un Christ peut rendre toutes les choses faciles. Avec la crainte qu'on a en Dieu, avec l'espoir et l'espérance qu'on a placé en Dieu. Donc, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Donc, maintenant, que faut-il faire pour avoir et de la maîtrise de soi? Qui ça pour nous faire pour nous gagner maîtrise de soi? C'est pas quelque chose qu'on achète au magasin, loin de là. Ah oui, hein? C'est pas quelque chose qu'on vend et on peut liquider ou bien on peut prêter. Non, loin de là. C'est un bagage qui sortit en haut. Et raison pour laquelle que nous va suivre avec vous, parce que ça sortit en haut. C'est pas quelque chose que maman, papa ont laissé pour nous, on va les hériter. Ce ne sont pas des maisons, ce ne sont pas des bateaux, ce ne sont pas de l'argent, ce ne sont pas des 401k, mais c'est quelque chose, c'est un cadeau de Dieu, la maîtrise de soi. Donc, l'idée n'est pas venue seulement de notre cher pasteur et sa femme et ses collaborateurs et collaboratrices. L'idée a sorti en haut, parce que tout ce qui est bon vient de Dieu. Tout ce qui est bon, toute bonne qualité, toute bonne pensée, toute bonne œuvre bien-aimée, ça sortit en haut dans le Seigneur, que nous allons voir bientôt. Nous devons te montrer aussi vos oreilles, écoutez, entendement, parce que les gens robustes, les rebelles, les patentés que mari, que on amis, que on bon conseil, quel que soit, ou balancer conseil là, ou pas parce que on doit écouter, ou c'est des gens de bien, mais pas parce qu'on a l'école qui fait nous qu'on est fort écouter, mais c'est parce que quand on est un Christ, il faut avoir un bon entendement. Faut nous avoir bonnes oreilles. Parce que si vous avez bonnes oreilles, on va marcher comme des sourds pendant que vous avez deux oreilles. Mais loin de là, Dieu fait grâce et nous le disons merci. Donc nous besoin écouter les autres, balancer les sujets, balancer les conseils. Prends des conseils, chita, vous entendez. Et maintenant, nous te montrer comment montrer attitude, non, de la victoire aux enseignants chrétiens, souvent de foi, surtout les femmes. Nous ne sommes pas ici pour vous condamner. Don't take me wrong, I'm not here. Non, I'm not here to do so, but don't take me wrong. Ça que nous faisons, nous-mêmes, les femmes, nous aimons plein, c'est attitude, non. Mais pourtant, il y a des femmes fortes, il y a des femmes qui sont vraiment robustes, qui sont vraiment strong, qui gardent les choses comme ça doit être, parce que c'est dans la vie, donc ils sont censés être forts, être sûrs dans les combats, puissants dans les combats, robustes. Donc nous avons besoin d'apprendre, quelle que soit la maladie, quelle que soit la santé, la vive, quelle que soit rase, quelle que soit chômage, quelle que soit déception, et humiliation, nous devons être forts. Chose qui n'est pas facile. Don't take me wrong, but I'm preaching the gospel. Take word of God. Les mots sont en haut, nous besoin mettre au chita dans le cœur nous, pour nous emmagasiner, pour que les problèmes les déceptions y viennent, en général des choses que nous pas capables de gérer, qui portent stress, qui portent tristesse, qui portent désolation, et puis nous gérer dans le nom de Jésus avec la maîtrise de soi qui est un cadeau de Dieu. Donc maintenant, quels sont les avantages de la maîtrise de soi? Nous témoignons comment l'avantage ça y fait nous posséder des niveaux élevés, parce que nous apprenons à maîtriser, nous ne pouvons pas bagarrer, nous pas murmurer, nous pas plaigner, nous pas jouer tout le temps. Ça ne veut pas dire nous pas qu'à faire ça, on est humain avant tout. Donc, take me wrong, nous c'est moun, tout le monde, il y a du sang qui coule dans nos veines. Mais quand même, la spiritualité,
li pionner, li trôner, li précéder, li vini avant tout. Et c'est ainsi que nous maîtriser, non, pour nous capables d'avoir des meilleures relations. Parce que nous avons maîtrise de soi, dans tout le monde qui veut environnement, ou, il veut partager avec vous, il veut bien avec vous, il aimer, ou, sans flatterie, parce que le plus souvent, majorité des chrétiens, souvent de fois on dit haïtien, mais c'est parce que nous côtoyons haïtiens seulement, mais en général, moi je dis ça en connaissance de cause, parce que moi l'école souvent ailleurs, moi côtoyé en pile, petit monde qui sautille un peu partout, donc c'est pas haïtien seulement qui constate, c'est l'homme en général. Souvenez-vous bien que l'homme change chaque 15 minutes, donc attention à ça que nous disons, attention à ça nous au Québec, il y a pour dans 15 minutes ça, et puis après d'autres 15 minutes, il y a pas pour parce que c'est l'homme, mais quand on est en Christ, on s'est détaché de ce corps physique, on s'est détaché de ce corps mortel. On est en Christ, nous pétris, nous patauger, alléluia, nous épicés dans Christ comme étant des femmes vertueuses, des femmes de distinction, des femmes élevées en Christ, des femmes qui ont une relation avec Dieu, et bien aimées dans le Seigneur, nous avons des avantages pour nous maîtriser, nous, quelle que soit la situation, que c'est en bagarre, on va pas le pousser du feu, même genre avec Paul Tapfel et Tap Lapide Étienne, la pousser du feu, la prier, le Seigneur te dit, Paul, vous avez péché, il dit, oh maître, même qui péchait, il dit, vous péchez parce qu'on t'a pris, on t'a lapidé, tiens, voyez-vous, on peut même pécher même en riant. Alors, il faut bien faire attention. We need to pay attention. En pile, en pile, en pile, parce que si nous pas fait ça, n'a pensé nous bon, et puis, regardez, OA allait quitter nous, NA allait quitter nous, nous était zéro. Mais quant à Christ qui fait provision pour nous, nous pas arrêter comme ça à zéro, il fait nous des héros. Et c'est ça que nous avons besoin des matières en tout genre pour nous capables de progresser, pour nous faire succès, pour nous ayons réussi total et capital dans le Seigneur. Maintenant, nous poursuivons. Quels sont les exemples de maîtrise de soi? Nous t'aimons pour nous apprendre à gérer colère, nous. Pas des monde qui pas contre colérique, pas des monde qui pas contre mettre en colère. Mais faites très attention parce que la Bible m'a dit pour ne pas coucher sous colère. Et c'est la raison pour laquelle qu'en pile de nous, surtout les femmes, toujours veiller et surveiller avant de dormir, avant de finir prier, pour nous consulter conscience, non, examiner conscience, non, parce que la colère, ça vient du diable. Et c'est ça que fait nos besoins, gérer, combattre ça. Tout votre fois, nous mettons en colère pour montrer au monde comment nous pas manger rien qui fait, pour nous montrer au monde nous ces petites non, pour nous montrer au monde nous c'est ici et là-bas, ça ne sert à rien, bien-aimé. Vaut mieux de courir, il faut partir à point. Hein? Pour bien courir, il faut partir à point. Soit partir en retard ou arriver en retard, mais soit partir à l'heure ou arriver à l'heure. Et tout ceci, c'est dans le nom de Jésus. Hein? Donc, nous devons comprendre, pour nous gérer colère, nous résister aussi aux tentations, persévérer aussi dans les difficultés, des gens qui sujet à mander la mort dans les difficultés. Soyez ferme et inébranlable, femme en Christ, femme de Dieu. Soyez ferme et inébranlable, efforcez-vous pour gagner du temps. Donc maintenant aussi, nous te joignons comment, non seulement persévérer dans les difficultés, dans les bons comme dans les mauvais moments, nous devons apprendre à évaluer notre temps. Parce que des gens, c'est après l'heure. Après l'heure n'est plus l'heure, c'est ce qu'a dit l'auteur, mais avant l'heure n'est pas l'heure non plus. Il faut être à l'heure. Donc soyez à l'heure. Pas venir après l'heure, vous m'avez dit ça, vous t'avez dit. Vous n'avez pas dit un faux bagage. Pas venir après l'heure, vous dites traduit pour moi. Vous n'avez pas traduit mal. Mais vous-même, comme étant des femmes, disponibles, disposées, dévouées, zélées, sanctifiées, et tant d'autres encore, nous besoin qu'on ait pour nous capables d'évaluer tant nous. Ou pas le travail, ou lever de très tôt. C'est pas même l'heure pour courir aller. Les femmes chrétiennes, y a une discipline. Y a pas souvent de fois, c'est après l'heure. Ça peut arriver, c'est la vie, quoi. Nous capables avant retard, c'est la vie, mais quand même pas quitter le répéter. Et c'est ça fait un peu le monde qui perd du travail parce qu'il arrive en retard trop. Yo absent trop. Et pendant la passant, n'a pas menti. Nous dit grand mourir, nous dit grand-père mourir. Nous parlons comme une grand-mère qui mourit. Et surtout les chrétiens, même les chrétiens de deux pieds humainement parlant, mais aussi les chrétiens qui se disent que ont la crainte de Dieu, que ont converti, que ont accepté Christ, Jean Tavridil, mais nous fait ça aussi. N'a pas des lettres de mensonges, n'a pas des avis qu'il faut n'excuser nos mal, et parfois c'est dans l'excursion qu'il allait, c'est dans la cruse qu'il allait. Il faut dire la vérité, bien aimé. Nous
nous sommes des femmes de vérité. Donc la vérité doit pionner, doit siéger en nous. Donc nous te voyons aussi que faut-il faire pour améliorer notre maîtrise de soi. Parce que quelquefois, nous pas gagner du tout. Mais pour améliorer, là, nous t'es allé dans la prière. Parce que tout se fait dans la prière comme étant chrétien. Un chrétien qui a la crainte de Dieu, un chrétien qui respecte tête comme étant des femmes solides dans mon Dieu, des femmes qui ont la crainte de Dieu, des pour crainte pour mon Dieu, bien crainte. C'est-à-dire, ici, la crainte a plusieurs volets. Et pas la crainte parce qu'on a la peur, mais c'est parce que nous avons le respect pour notre Dieu. Alléluia. Nous avons le respect. Il faut respecter Dieu. On a besoin où elle en passe pour respecter. Parce que nous pas adorer. Nous, c'est des adorateurs. Nous pas des spectateurs. Nous pas des idolâtres. Nous adorer en esprit et en vérité. Pas d'image taillée, pas de représentation fausse, mais il faut penser à ce Dieu qui est invisible et immortel. Il est devant nous, il est en nous, il est avec nous. Gloire à Jésus. Que faut-il faire pour améliorer notre maîtrise de soi? Nous te voyons Ephésiens 6, 18, faites en tout temps par l'esprit. C'est vrai qu'il faut prier, comme a dit Thessaloniciens 5, 17, mais pourtant, bien aimé, par l'esprit. Et nous prions par l'esprit, nous pas prenons non et tel, c'est Jojo, et puis nous relions le Jo. Là, nous prions par l'esprit, nous pas besoin qu'on non ou non, mais nous pas prêts à prier. On met grand monde devant, on met tonton devant. Non, nous prions avec respect notre frère, notre soeur, notre bien-aimé, etc. Nous sans insulter les autres. C'est comme ça que nous avons besoin d'améliorer maîtrise de soi. Parce qu'en plus, nous comprenons maîtrise de soi, c'est calmer parce qu'on gagne en mort, on va voir puis à droite, ou pas crier fort, etc. Maîtrise de soi, aller dans tous les endroits. Donc maintenant, nous dirons aussi 1 Thessaloniciens 5, 17, il faut prier sans cesse. Prier sans cesse, ça veut dire pas jamais cesser de prier, mais prier sans cesse veut dire rester assidu dans la prière. Pour nous capables tout le temps en prière. Pas parce qu'on travaille ou à prier dans le cœur. Ou bien dans l'avion, on va même besoin d'ouvrir le livre, mais qui c'est notre l'écriture simple, la Bible, et bien on connaît un peu verset, ou à déverser, ou à réciter, ou à ruminer. Donc nous avons aussi 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez sur lui tous vos fardeaux. C'est ça nous devons faire. Souvent, ça nous parler avec les mondains, que nous considérons des inconvertis, que nous ne pas même valoir importance parce qu'ils ne sont pas convertis. Attention, le Seigneur, vous voyez nous chercher. Nous sommes des modèles de que nous autres, nous devons l'ombrage en Dakala pour que Marie nous capable revers l'âme. Ce n'est pas la rade de la retourner l'envers, mais il n'y a pas besoin que ça nous pese, ça nous fait faire nous connaître, ça que nous devons faire nous connaître. Nous devons rester, parce que il y a de monde, c'est dans l'église là, c'est-à-dire dans le sanctuaire, parce que c'est nous autres l'église. Il y a de monde aussi, c'est en dans temple-là, que vous montrez que c'est des gens de bien, des femmes converties, des femmes pieuses, des femmes de prière. Mais alloyo à Mario, c'est-à-dire, il y a fort qu'on George, j'aurais qu'on dit, mais cependant, George, qui est un milicien ancien de Duvalier père, eh bien, c'est un monde malfaiteur que le taillé, pour votre information. Son homme met lunettes noires là, eh bien, elle met lunettes, il a crasé en babaton. Donc, en disant à quelqu'un, on veut faire contre Georges, ça c'est malhonnêteté, méchanceté, c'est dur, on besoin qu'on soit dit en passant. Il faut avoir aussi de l'instruction, c'est un peu de savoir-vivre. Donc, nous te voyons aussi, mets en lui ta confiance et il agira. Nous te voyons aussi, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Ça c'est la prière. Il n'y a pas sorti de là. Que la nuit, que le jour, que la pluie, qu'il gronde, qu'il pleut, que le coup de tonnerre, que le coup d'éclair, la prière, c'est la force de l'âme. La prière, c'est notre âme. La prière, c'est notre bannière. Pour un chrétien qui était assidu, dévoué, et une femme qui connaît ces femmes de Dieu, femmes en Christ, eh bien, nous avons besoin d'être dans la prière. Que bien, que mal, que malade, que santé, que bon, que mauvais, que humiliation, que déception, que quelle que soit réception, nous avons besoin d'accepter la prière. Non, mais tant nous, des femmes, nous avons besoin de prier plus. Et de nous prier plus, n'importe comment nous légère, n'importe comment nous douce, comment nous caressante, comment que la vie a aussi pour rendre plus facile, pas parce que vous avez de l'argent, mais c'est parce que la maîtrise de soi, elle est incarnée dans nous, elle est épicée nous. Donc, c'est ça que nous besoin. Donc, maintenant, nous t'ai dit que la maîtrise de soi n'est pas une chose qui est naturelle ou acquise au prix de grands efforts. Elle est le cadeau de Dieu par le Saint-Esprit, Galates 5, 23, 2 Timothée 1er, verset 7. C'est un cadeau, femme, non. De femme de lumière, nous besoin comprendre ça, c'est un cadeau que Christ nous a donné à travers notre Saint-Esprit, selon Galates 5, 23, et aussi 2 Timothée 1er, le verset 7. Nous besoin comprendre ça.
les femmes de lumière, les éclairées, parce que c'est un cadeau. Un cadeau, c'est quelque chose que vous n'avez pas payé pour ça. You don't pay no, not even one cent for it. It was free and it will be free forever. So take it. Don't take it for granted. Take it as is. Parce que nous pas payé pour lui. Le plus souvent, les choses que nous pas payé pour lui, nous pas bas aux valeurs. Les choses que nous achetons dans la liquidation n'ont pas de valeur. Nous préférons acheter des choses 2, 3, 4 fois la valeur, qui va même gagner importance. C'est pas le prix, bien aimé, c'est la qualité. Donc maintenant, nous parler de la maîtrise de soi qui est un cadeau. C'est un cadeau qui vient de Dieu par l'intermédiaire de Saint-Esprit qui est notre lumière. Et cette dame de lumière est éclairée par ces switchos. Quelle fois au cadeau flatteuse, quelle fois au acheter figuier, quelle fois au pas comprendre nous pour classe ou fait, mais par ces switchos. Et nous te disons, ce n'est pas Thomas Edison qui a inventé la lumière qui nous servir, mais c'est notre Christ, la lumière du monde, qui est entrée dans le monde et qui a éclairé le monde, qui a tout changé, toute ténèbre rentrée, une place enterrée à cause du pouvoir de notre Christ. Donc, nous avons besoin de ça pour nous gagner tout ça, pour nous apprendre à prier. Et là, comme ça, nous avons une modération du langage, nous pas dire n'importe quoi, nous avons une attitude sincère, une attitude pieuse, pas parce qu'on est en prière, mais c'est parce que la vie de Christ est en nous, la lumière de Christ nous éclaire, il brille, la lumière de Christ brille en nous, et ça fait que nous semblons avec des gens qui semblaient cadeaux, mon Dieu, avec des femmes vertueuses, des femmes célèbres, que le Seigneur est capable de compter sous lui, parce que nous besoin d'être sobre, nous besoin d'être modéré, selon 1 Timothée 3, 11, titre 2, 2, la maîtrise de soi, c'est une vertu de celui qui sait garder. Gardez ses décisions, gardez ses désirs. Pas courir dire un bagage pour agir en coupière et pour changer de mot. Réfléchis avant d'agir. Réfléchis avant de parler. Et l'idée, ça, la priorité dans nous, pour nous capables, toujours, de maîtrise de soi, sans acheter, sans charger, crédit 4 nous. Maintenant, quels sont les bénéfices de la maîtrise de soi? Nous témoins, et tout ça, yo, eh bien, à soi, on a connecté avec quels sont les bénéfices de la maîtrise de soi, et aussi, nous va les attributs but de Dieu dans la maîtrise de soi. Disposez-vous ouvert cœur, parce que l'aide conférence, c'est apprendre ou venir apprendre. Et aussi, nous porter pour où nous prendre en haut, parce que sinon, nous ne pas taper là. Bien que c'est le travail de Dieu, mais il faut faire les choses entre amis, en famille, et aussi dans la sanctification. Pas du show-off. Non, pas du faire venir, ou bien du faire savoir, ou bien sortable, mais faire dans la vérité, faire dans la grâce, faire dans l'humilité. Et c'est comme ça, mon abbé, ni, on va venir vous faire connaître et tel, t'es passé déjà au bon passé. Ça, c'est le travail du diable. Mais de nous mettre nous ensemble comme étant des femmes qui sont accolades dans le Seigneur, des femmes qui se dévouent corps et âme, en esprit, en vérité, pour gagner le ciel. Et bien, c'est ici que quels sont les bénéfices de la maîtrise de soi. Il faut risquer. Premièrement, en dans maîtrise de soi, en aller avec les ABC de la maîtrise de soi. Nous avons toutes les ABC. Il y a 26 lettres de l'alphabet français. Anglais et créole aussi, bien que nous sommes polyglottes, mais pourtant, en aller avec la lettre M. La lettre M, bien aimé, il faut être modeste comme femme. Modeste ou encore sobriété, qui ça veut dire? L'on modeste ou pas un monde qui est compliqué. Tout ça, ou pas vril, ou pas ceci, ou pas cela. Le bon cadeau, c'est pas son remède. Et pas son remède pour faire un cadeau, parce qu'on pas qu'on poche mon nom, ou pas qu'on pense mon nom, ou pas qu'on canet bancli. Il pense à où, et puis il fait un cadeau. Apprendre à apprécier les choses d'autrui, après la valoriser les autres, les cadeaux qui viennent ailleurs, soit de mari, de madame, si mari offre au cadeau un réfrigérateur, chose que nous dit frigo, ou bien frigidaire, frigidaire son marque, parce que c'était un premier frigidaire, marque qui était venu, donc réfrigérateur, c'est ni même nous les frigidaires, hein? Mais son marque frigidaire n'y est, mais pourtant les maris offrent au cadeau un réfrigérateur, qu'on est les frigidaires, ou pas de mauvais, des madame qui fâchées. Oh, ça c'est cadeau caille qui soit vingt bail là, ça j'ai la bombe là, ça j'ai des bombes là, ça caille une bombe là. Non, il faut apprendre à apprécier. Oh, ça c'est cadeau caille. Mais c'est cadeau caille, c'est la caille où habiter, chère femme. C'est la caille où habiter, servante de Dieu. C'est frigidaire là, c'est sale cabaou parce que le con est frigidaire dans la caille à gâter, ou bien fou à gâter, microwave à gâter. Ou bien un cadeau personnel, ou bien maîtrise de soi, ou bien valoriser l'achat de votre mari. Et vice versa, ou bien valoriser l'achat de votre épouse. Parce que mari, c'est ça le cabaye, il faut acheter cadeau, s'il a acheté cadeau, frigidaire,
pas marché, la baille de l'eau, ou bien le pas fonctionné bien. Donc, au lieu que nous restions dans la misère là, il levait la misère là, il fait qu'on compte apprendre à apprécier. Donc, nous besoin comprendre ça qui a passé pour nous capables. Donc, là, nous arrivons dans modeste, sobriété. Ce qui s'allie, c'est une grâce spirituelle. Il était dans l'intérieur, non. Parce que leur modeste, leur ou encore sobriété, il fait nous pas tenir nous à l'écart de toute grossièreté. Il fait nous pas arrêter pour nous juger, moun. Regardez ça, le bon moins. Bagay ça, c'est dans dollar store. Mais les dollar store sont très valables, bien aimé. Ou capable peut-être passer stade ça, mais pendant qu'on finit passer stade ça, pas gêner yon l'autre qui peut utiliser dollar store. Pas gêner yon l'autre qui peut acheter dans Goodwill. Il y a rien de mal dans Goodwill. Les gens que nous rencontrons dans Goodwill, ce sont des gens qui gagnent l'argent qui peuvent gérer comme yon. Et nous-mêmes, nous très pessimistes pour nous comprendre si nous achetons là ou nous pas moun. Non, il y a un temps pour chaque chose. Donc, profitez de ce temps. C'est qu'on y a acheté dans Goodwill, c'est qu'on y a acheté dans Salvation, acheté dans Salvation. Mais il y aura des il y a des temps difficiles, mais il y aura un bon temps, parce que le Seigneur, selon l'écriture de l'apôtre Paul, il m'a dit, il faut nous racheter le temps. Racheter le temps, c'est-à-dire pas seulement profiter de temps, pas dans le temps, mais faire épargne, c'est-à-dire get a saving. Mettez quelque chose de côté, parce que le temps est difficile. Pendant deux mois, là, on va venir marier, pendant qu'on marie, on va venir gagner tout le monde. Donc, faire le bon dépôt pour ne pas frapper trop de portes, pour ne pas valer nos mal, pour ne pas frapper porte famille, pour ne pas juger Marie, ou bien juger Madame, non, pour dire c'est le cap fait. Donc, il faut être modeste. Modeste. Parce que les nous modestes, nous ne pas juger, penser le monde. Le plus souvent, nous, on dit haïtien pas vrai. Haïtien, c'est du valier élevé, ou même qui l'esco, lui fait fusil. Nous, on sait vraiment. Mais pourtant, on nous apprend à changer, parce que nous changeons de camp. Nous pas dans camp monde, là encore, bien que nous sommes de ce monde, nous vivons dans ce monde, mais nous sommes pas de ce monde pervers. Nous vivons dans un monde sanctifié, un monde évangélique qui nous mène au ciel. Donc, nous avons besoin d'être conséquents pour nous modestes. Et l'homme modeste, ou bon langage modeste, ou pas pervers, ou pas dire n'importe quoi, ou pas juger monde par la pensée ou sur elle dans l'hôtel là, son application, se déposer comme manager, comme housekeeper, comme superviseur, quoi que ce soit, il n'y a pas de sous-métier, mais pourtant, on est en relais, pasteur, on fait qu'on est, on dit, ouais, tel dans l'hôtel. Surtout nous autres, hôtel pour nous autres, c'est des choses désagréables qu'elle fait là. Mais cependant, hôtel, c'est un lieu pour capable recevoir, faire réception, pour aller, le Walmeneti, mon campus, ou pas gagner monde à côté, etc. Donc, il faut être modeste. Modeste par la pensée, modeste surtout, bien-aimé, avec les tenues. Oh mon Dieu, c'est pas exposer comme nous qui fait nous sexy. Attention, en pile dans nous, c'est des femmes mariées, en pile dans nous, c'est des mères. Faire respect tête nous pour nous respecter, pour les autres capables de respecter nous. Faire respect tête nous pour que petite nous capable de bénéficier de ce respect. Marie nous aussi capable de bénéficier de ce respect. Parce que nous jeunes des femmes qui se disent que ce sont des femmes converties, des femmes sanctifiées. Mais la façon, bien aimé, la tenue, tenez-nous pas modeste ou en pile dans nous. D'ailleurs, nous devons faire sacré les yon triage de habillement pour travail, habillement pour nous adorer et habillement pour nous dans gala, dans banquet, etc. Parce que nous, en pile monde, la façon que yon vêtu, yon s'est karaté n'a fait avec jupe yon, des jupes 3 huitièmes, des jupes 1 quart, c'est-à-dire nous fait karaté. N'a pas allé le descendre, nous connaît le pape Jean Pilon, parce que couturier a déjà taillé, c'est pas ou même qu'a pas allé le qu'a fait le pilon. On t'a déjà connu le coût, on connaît yon pas fait rade pour nous, surtout les femmes de lumière, les femmes de lumière, nous qui est très bon nom, et félicitations, hein. Ça, c'est mon qui dormit près de mon Dieu pour guérir la sa femme de lumière, parce que Christ est la lumière du monde, la lumière éternelle, la lumière des lumières. Donc, nous besoin apprendre à gérer tenue, nous, pour nous être modestes. Maintenant, nous parler de la sobriété selon Éphésiens 4, verset 25, selon Éphésiens 5, le verset 1er jusqu'au verset 8. La sobriété s'applique à notre manière d'être. Et pas seulement en tenue, en pensée, mais aussi en action, en œuvre, en agissement, en parlant, etc., etc. Parce que conduite nous dans toute situation, qu'à l'école, qu'à l'église surtout, bien-aimé. Conduite nous à l'église, leur rentrer ou rentrer en retard, membres d'accueil, surtout nous autres, nous qui sommes membres d'accueil comme des bibelots, parce qu'on m'a dit, nous, allez suivre, on m'a mis au chita, on m'a chita devant. On prend le retard, on prend le travail. Mais si on prend le travail, il faut avoir du savoir-vivre.
Il faut savoir comment vous comporter. Étant des femmes, ou ces femmes, ou ils vont retard pour le travail, tout dit, membre d'accueil, moi, le travail m'a pris derrière. Mais si ils vont retard, ça, c'est du savoir-vivre. Ou besoin avancer, ou être plus près, ou pas monter jusque devant l'hôtel, là, pour dire, avancer, avancer. Et en montant aussi, ou en talon qui quitte, cap dit, déranger les autres, cap fait bruit, ou bien c'est snow, ou habiter dans les pays qui froid. Et puis c'est les savoir secouer tout bao pied ou secouer tout ou boire tout c'est bao non c'est très vilain. Nous besoin apprendre à gagner la sobriété pour nous appliquer en manière noble et en manière sanctifiée, parce que la sanctification c'est pas porter une jupe longue, c'est pas porter une robe blanche seulement pour être une femme sanctifiée. Vos comportements, vos manières, vos agissements, votre façon d'agir, tout ceci y a compté. Donc nous besoin l'essentiel pour nous connaître comment nous devons avoir un style qui plaît à Dieu d'abord et aussi qui plaît à la société. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous besoin comme ça. Parce que maîtrise de soi, l'on maîtrise ou gagne neige dans le bateau, ça va pas empêcher pour être dans vestiaire là, avant d'entrer dans vestiaire là, gon lobby, ou aller secouer vieux. Ou va rentrer dans l'église là, c'est les soirs secouer, c'est les soirs ranger, cotous, ça dérange les autres. Nous besoin qu'on ait ça. Maintenant, nous t'as parlé de M, à nous rentrer dans A, parce que nous parlons de maîtrise de soi. Rapidement. La maîtrise de soi, bien aimé, qui c'est encore la modération, ou bien l'une des qualités fondamentales du chrétien, selon 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 25, et aussi titre 1er, verset 8, les ça, l'amour, lui parler de nous autres, comment nous devons aimer. Ce sont des composants du fruit de l'esprit, l'amour. C'était Yon que nous t'ai cité au préalable, mais nous t'ai cité comment les 9 fruits de l'esprit. L'amour était en premier, il was on top, l'amour. Love, allons bon, non. De vous donner l'amour, ça fait sourire, hein. De vous donner l'amour, ça fait rire. De vous donner l'amour, ça donne de la joie. Donc, nous besoin apprendre qu'est-ce que c'est que l'amour. L'amour. Nous jouons l'amour parce qu'il n'a pas l'eau de maîtrise de soi. En tant maîtrise de soi, on doit gagner l'amour. Parce que l'amour, son sentiment. Tout le monde fois nous parler de l'amour comme quoi que ce soit. Non, c'est un sentiment. Et c'est la raison pour laquelle, quand on entend pile monde toujours dit, oh, l'amour est aveugle. Non, je regrette. L'amour n'est pas aveugle, ce sera jamais. Les amoureux ou les amoureuses peuvent être aveugles, parce que ce sont des humains. Mais l'amour qui est un sentiment, ce sera jamais pour que l'amour capable aveugle. Cessez de dire ça, parce que son sentiment, il est logé dans nous. On ne l'achète pas. C'est un cadeau de Dieu. Si vous voulez remer, ou après remer, ou pas remer pour l'argent, ou pas remer pour résidence, ou pas remer pour belle caille, ou pas remer pour belle couleur, complexion, ou pas remer pour beaux yeux, belles oreilles, ou pas remer parce que la personne, c'est la personne. C'est ça qu'on remet, parce que on remet pour de beaux cheveux, les cheveux ont tombé, un bon problème. On remet pour de beaux yeux, les yeux, là, capables de changer, parce que l'âge a pentré, l'ivine gris ou bien le bleu, l'ivine noir encore, les gens qui comprennent, clairé, etc. Et vous avez perdu sentiment ça. Parce que sentiment d'amour, son sentiment, we need to let it go. Hein? Nous besoin de travail sous lui. Nous build lui up, eh bien, nous gagnons. Nous des gagnants. Nous c'est des lauréats. Nous c'est des vainqueurs. Non pas seulement vainqueurs à Christ, mais vainqueurs d'une société. Soit que de la famille, soit que les amis, que, etc. Mais justement, nous besoin, dans acte 10, verset 34, il défend nos grandes valeurs égales aux yeux de Dieu. C'est ça l'amour fait, oui. Parce que bon Dieu fait nous une grande valeur aux yeux de Dieu. Parce que le péché qui est entré dans le monde, eh bien, Dieu à la croix l'a ôté. Gloire à Jésus, quel cadeau. Il l'a lavé. Gloire à Jésus, bien-aimé. Ça, c'est avec son sang précieux. Parce que il nous aime tellement. Les acteurs pour le jeune Jean 3 qui dit, for God so loved the world that he gave his only begotten son for whosoever believe in him shall not perish but have eternal life. La vie éternelle nous est réservée, mais il faut vivre dans l'amour. Si nous vivons dans yin-yang, dans œil pour œil, dent pour dent, dans chacun pour soi, Dieu pour tout, ça ce n'est pas l'amour.
Parce que l'amour que Christ a versé son sang pour nous sauver, est en nous autres, des femmes de lumière comme ses imitatrices, nous besoin imiter les pas de Dieu. Parce que Dieu aime en tout temps, gloire à Jésus. Dieu aime infiniment, gloire bien-aimée, pour le Seigneur qui nous aime tant. Donc nous besoin qu'on ait pour nous aimer. Pas aimer parce que son affaire économique, pas aimer parce que son affaire résidence, pas aimer son affaire d'Elmoun. La beauté est relative. Ça, il faut le savoir. La beauté est relative. Moun wap gade avec deux yeux, bonnet, belle bouche qu'on aimait, hein. Ligon cœur pur, ligon cœur de vérité, yon cœur qui plaît à Dieu, eh bien, son bel moun. Yon bel moun, pas seulement un bel moun physique, pas seulement un bel moun. Il a peut-être yon bel moun parce qu'il travaille très bien à l'école. Il a peut-être un bel moun parce qu'il a de bonnes manières. Il est capable aussi un bel moun parce que c'est quelqu'un qui est très serviable. Soyez des serviteurs, des servantes, si vous voulez, comme étant des femmes de lumière. Soyez des servantes, mais non des serveuses. Il y a une nuance entre serveuse et servante. Servante, c'est quelqu'un qui est au service du Seigneur et à part ça, servir sa communauté, son pays, sa famille, son école, son église, son environnement, etc. Mais un serveur, bien-aimé, ou bien une serveuse, vous servez seulement dans les bars. Oh mon Dieu, nous besoin de maîtrise de soi pour nous pas des serveuses, mais bien des servantes du Seigneur, des servantes zélées, des servantes dévouées, des servantes animées avec l'esprit du Seigneur, qui est toujours au service de Dieu, qui a servi parce que c'est pour... Oui, m'a servi pasteur Karl, m'a rété avec lui, m'a embauché avec lui, avec madame lui, avec co-administrateur là, parce que m'a servi yon l'autre, et m'a rété avec lui, parce que m'a plave assiette pour lui, m'a balé Kali, et ce serait un grand plaisir pour plaire à un pasteur ou à sa femme. Parce que c'est yon aide l'autre, aimez-vous les uns les autres. Non. C'est pas me dire moi aimé, et puis comme pile ou pour le faire comme Georges. Non, loin de là, moi aimé on dans les bons comme dans les mauvais moments. Et c'est la raison pour laquelle l'on a fait choix, pour qu'on a qui moun ou a fait choix, qui moun nous doit faire choix. Parce que là, nous fait choix yo en apparence, nous fait choix yo à la volée, nous fait choix yo au petit bonheur, soit yo vin des choix déchus. Yo vine des choix qui pas convaincants. Yo vine des choix qui fait pleurer. C'est lamentable. Yo vine des choix qui donne du regret. Yo vine des choix qui portait tristesse. Et ça fait vieillir avant l'heure. Donc, nous besoin de comprendre que nous devons gagner l'amour. L'amour qui sortit dans bon Dieu. Et pas l'amour pour y avoir qu'à nos boîtes de chocolat. Notre boîte de chocolat, nous-mêmes, nous dépassons bagaille ça. Il n'y a pas l'amour qui on grignoue. Nous chita, nos 13 ou 14 février. Notre amour, bien aimé, c'est éternité en éternité. C'est de jour en jour. Journellement, c'est de mois en mois, annuellement, c'est pour tout temps. Donc il faut apprendre à aimer. La maîtrise de soi qui est en nous, il fait nous aimer. C'est pas parce que on va pas acheter figue mon parce que souvent fois l'homme toujours comprend on va pas acheter figue. À qui crédit carte ou va le payer, hein? À qui chèque ou va le payer acheter figue ça? Non, c'est pour l'amour de Dieu, c'est à cause de Christ. Hein? Lorsqu'il l'amour, on apprend à respecter mon, lorsqu'il l'amour, on apprend à maîtriser ou pour que les mon n'en dit quoi que ce soit mal ou quoi que ce soit de méchanceté, de malhonnêteté, on pas rendre réciprocité, mais on vous laisse tout entre les mains du Seigneur. Oh yes, we need to do so. Maintenant, nous parlons de l'amour, l'amour, Matthieu 22 verset 39. Et en Romains 13, verset 8 à 10, 1 Jean 3, verset 17, il dit, nous devons rester sensibles aux besoins élémentaires de l'homme dans toutes ses affaires et transactions. Et maintenant, laissez-nous aller, il dit, et nous garder de toute discrimination raciale, religieuse, sociale, académique et économique, et tant d'autres encore, vous ne citez que cela. Parce que, bien aimé, l'amour qu'on y a, son amour économique, pas général, quoi, mais pour certains de nous, il y a toujours un faible reste qui reste dans l'amour de Dieu, qui aime pour l'amour de Dieu. Mais nous besoin retirer discrimination, ça y est, discrimination de race. Ou je ne sais pas, dans Ismaël, Isaac, monde qui marié plusieurs fois, ou bien qui fait petit à plusieurs papas, si vous ne savez pas, complexion noire, et l'autre là, en complexion jaune, ou bien quoi que ce soit, ensemble aux métis, et puis commencer fier sous l'autre là. Ou je ne sais pas. Ça, il est très calé à l'école, et bien la portée de bonnes notes, et puis souvent fois les parents, nous-mêmes, si ce ne sont pas les notes de Timon, ils ne sont pas à apprendre. C'est pas faute, c'est pas exprès ou fait. Nous ne sommes pas l'avocat du diable pour les défendre. But we are here to preach the gospel. So listen to the word of God. Aidez-yo. Bayo rattrapage. Bayo leçon. Nous sommes des mères comme Eunice. Eunice était une femme qui instruit ses enfants dans sa maison. Et c'était comme ça, ça déconcentre autrefois.
femme qu'on était à la maison pour prendre soin de Maril, de Kai et de Timoun, et puis le mari travaille. Mais à cause, béni soit l'Éternel, parce que le temps a changé, le Seigneur fait grâce, les femmes sont évoluées, béni soit Dieu, là, qui se trouve dans la vie de notre cher pasteur Karl, qui a permis que ce soir, que les femmes soient à l'honneur. C'est par la grâce de Dieu. Oui, parce que nous jouons une discrimination, ça empile. Mais béni soit l'Éternel pour la vie de cet homme, la vie de cette femme, notre sœur Lucie, qui permet que Assouya n'a évolué, bien aimé. Et ça fait yo rejeté, non. Mais nous ne sommes pas rejetés par Dieu. Yo discriminé, non. Mais nous ne sommes pas discriminés à la croix. À la croix, le Seigneur Jésus a déclaré que tout est accompli. Ça veut dire que levez toute discrimination. Que vous soyez juif, que vous soyez grec, que vous soyez haïtien, italien, africain, etc. Ça lui est égal. Ni pas de problème, ça fait le Seigneur soif pour nous ensemble. Les soif pour nous, que nous tous capables de sembler, que nous tous capables comprendre. C'est très difficile, parce que nous tellement émotionnels, nous tellement secrois, nous tellement orgueilleux, nous perdons vie sanctification, nous. Nous perdons vie l'amour, nous de comprendre, mais c'est dit, mais on de rêver, mon âme, malgré que la personne est noire, malgré que la personne est blanche, malgré que la personne est italienne, africaine, haïtienne, etc. Il n'y a pas de question de préjugés, de fausses émotions, dans nous. Nous besoin de rejeter ça. Religion, oh, c'est ça qui a calé dénomination, non, hein? C'est ça qui a calé monde évangélique, là. Ça a dit, lui, c'est tel tisse, c'est tel jour, là, pas doré, oh mon Dieu. Ça a dit, lui-même son hic, c'est lui-même qui est en premier, oh mon Dieu. Ça a dit, lui-même c'est tisse, parce que c'est lui-même qui était premier à l'église, c'est ceci, c'est cela. Le Seigneur va venir chercher une dénomination que vous appelez des religions. Non, il y a une autre religion et dénomination. Dénomination, c'est le nom du sanctuaire. Et la religion, chaque monde conversait au campé sous lit, et puis il a pionné la religion. Mais la religion est en Christ, a souhait à maîtriser, non. Pour nous avoir un langage modeste, pour ne pas diminuer les autres, quel que soit le ton ungan, allez chercher, que ton mambo, que ton baka, que ton loup-garou, allez chercher. Le plus souvent, nous rejeter, nous éloigner. On va dire, non, elle n'a solo coton mounio, elle mange maigri, loin de là, parce que nous jouons des chrétiens qui se mêlent des affaires d'autrui, des affaires du monde, plus que le mêlé. Que chrétiens de nos jours. Mais heureusement, il y a des femmes de lumière qui étaient dans la lumière, qui ont clairé, qui ont brillé, qui ont éclairci, pour y avoir dans le ciel. Donc, qui est la femme de grâce, qui est la femme dévouée, qui est la femme zélée, qui est la femme sanctifiée, femme de lumière, qui est là, parce que c'est pour nous guérir l'amour, mais pasteur, nous pas qu'un pasteur. Qui se dévoue corps et âme, c'est comme deux dimanches, bien aimé, c'est pas facile. C'est comme de samedi, c'est comme de vendredi en nous travail pour le Seigneur. Bah, maîtrise de soi, pas ça le faire, pas juger-le. Quittez-le, le Seigneur lui-même, lui ou bien lui-même la prend conscience. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas le juger-le. Et d'ailleurs, les laissages de l'avant-famille, nous besoin de comprendre les pasteurs au fond bagaille. On n'a pas besoin d'un factory avec elle, loin de là. On n'a pas besoin d'un hôpital avec elle, loin de là. On n'a pas besoin d'un banque là avec elle. On n'a pas besoin d'un laundromat là avec elle, quel que soit le lieu là où vous travaillez. Nous n'avons pas besoin de porter. We don't have to do that. No, there's no need to. Do something good. Parce que pendant que nous faisons ça, nous allons porter le bas monde sans le savoir. N'a parlé avec un autre sœur dans le téléphone, et surtout les Haïtiens nous parlaient très fort, hein, très fort. Nous parlaient, nous c'est pas qui parlait fort, que dans le téléphone, que face à face, nous avons besoin de régler ça tout, mais c'est pas faute, non, mais nous gérer les choses, parce que la maîtrise de soi, y aller dans toute bagaille. Donc maintenant, l'amour de Jésus pour les autres, selon Jean 13, verset 34, nous avons besoin d'imiter les pas de Jésus. Envers les autres, Jésus accueillait les autres, Jean 8, verset 11, c'est à cause de ça qu'après Jésus accueillait même la femme samaritaine. Qui monde qui d'avoir accueilli la femme samaritaine? Une femme qui a quitté tout le monde boit dans le gobelet. Yo. Qui monde qui a fait ça? C'est Jésus seul. Mais puisque nous sommes des imitatrices de Christ, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons imiter les pas de Dieu. Matthieu 9, verset 12, quand on a l'amour, on apprend à pardonner. Ah! Et pas courir le gars ou non, qu'à frapper le monde va sauver. C'est pas maçon loge, non, il a quitté l'église et allé maçon, non. C'est pas vol, les cassés bas. Non, qu'à le monde va sauver. Le pardon. Le pardon se trouve, il doit loger la caille, non. We always say that, just like the American people say it. Say so. Oh, we need to forgive and forget. Ou pas qu'à forgive and forget. There's no such thing about that. Ou s'oublier, ou pas qu'à songer pour demander pardon. Ou besoin remember the things that happen, what, no matter what. This week was Sunday, if it was Monday, to remember it, and then vous présenter excuse à cette personne. Ou
vin pi gran d'ailleurs. C'est ça nous comprendre, nous excuser nous auprès de monde, ou bien nous demander pardon, ou bien nous excuser nous, nous comprendre nous faibles. Non, vous êtes plus fort que ça, nous grandis que ça. Donc femme, dégagez vous des femmes en exploit, parce qu'on a une lumière en haut, on passait sur cela déjà à la croix, le Seigneur éclairé pour nous, donc restez dans l'amour bon Dieu pour nous faire un pile bagaille. Maintenant la lettre I rapidement, nous disons intègre. L'intégrité. Parler de l'intégrité de Job, ce serait quelque chose en vain, parce que c'est pas la journée de Job ou la journée des hommes, c'est la journée, même parler de l'intégrité de Rispa. Rispa, une concubine de Saül, bien-aimé. Rispa, R-I-T-S-P-A. Rispa, la concubine de Saül, qui a pas le vin marié avec le général Abner après la mort de Saül. Mais cette femme, bien-aimée, il était bon maîtrise de soi sans pareil. Parce qu'elle y perdit deux garçons. Mais comme il, lorsque tu es jusqu'à la mort, je te serai fidèle. Son promesse que mon Dieu fait, qui est certaine, qui est véritable, qui est éternelle. Jusqu'à la mort, je te serai fidèle. Rispa, bien-aimée, la concubine de Saül, qui vit madame Abner après. Saül mourit, lui marié avec Abner. Deux garçons. Pour qu'il y ait deux garçons, et à l'époque, deux garçons vaut 10 000, bien-aimés. Donc maintenant que nous-mêmes, les femmes, nous en exploit, grâce à Dieu et grâce à des hommes de grâce, des hommes de distinction, des hommes de vérité qui permettent de ce que nous avons évolué dans mi temps, et c'est grâce, mon Dieu, que le sang de Dieu continue à couler dans l'église, ça, dans l'église, ça, dans la vie de notre cher pasteur et sa famille. C'est pas une question de flatterie, c'est pas une question. Il faut parler pendant qu'il en est temps. Après l'heure n'est pas l'heure. Avant l'heure n'est pas l'heure. Mais l'heure, c'est l'heure. Il faut apprendre à valoriser les autres. Parce que c'est la valeur qui met en valeur une valeur. Autant que vous n'avez pas de valeur, vous n'allez pas valoriser les autres. You will never understand somebody that you love or you don't love. Parce qu'on par contre, ça fait les valeurs. Et ça fait l'on pas vle, ça vire à déchirer ou vire à qui plein gomme, chicle et tout. Son monde nous dit, prends ça, non. Apprendre à valoriser tête, non. Les banou vieux bagailles, les apophries, nos vieux bagailles, pour nous apprendre à dire non merci. Nous sommes bien aimés quand en Europe, bien aimés hein, pendant l'année en Europe, là c'est contre parfum. Il vient là, il fait tout le monde cadeau, moi je ne lis pas de bon moi. Ça m'est égal, là. Moi j'aime, là au bon moi, même pas aimé m'en dire. Mais pourtant, merci beaucoup si vous m'avez donné, c'est pas apprécié. Moi pas bon moi, et puis malgré tout, parfum yo rete sous coiffeuse li, parfum yo expiré, bien aimé. Dieu déjà expiré à la croix pour moi. Pour moi, parfum expiré dans mes mondes, oh non, 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 non. D'avoir fait sa vie avec un qui coûtait moins cher, mais quand même moins bien parfum. C'est ça, oui, pour faire grandeur, mon Dieu, dans la vie. Je ne l'ai pas fait expirer, bien aimé, a dit, mettre prend yo. Non, non, merci. Qu'est-ce que yo? Ou est-ce que ma chinois avec yo? Ou est-ce que ma trou moi avec yo? Qu'est-ce que yo? Oui, c'est ça. On fait la grandeur de Dieu. On fait valeur tête. Souvent, on fait valeur tête. Les gens qui ont vu la expiré, on prend une fois, on prend deux fois, femme de lumière, réveillée. Ou pendant fait noir, quand mon Dieu a marché, ou quand on a acheté parfum en Europe, mais on s'ouvre la stèle, ou qu'on a déplacé tout à la stèle. Donc, réveillez-vous. Ayez de la maîtrise de soi en vous pour vous bien comporter, pour bien agir, pour bien vous conduire, parce que notre Dieu règne encore, notre Dieu existe encore. Donc ce Dieu qui habite en nous, que nous sommes le temple de Dieu, il faut apprendre à gérer ce Dieu qui est en nous. Parce que la maîtrise de soi qui est en nous, il va sortir de l'autre côté, bien-aimé, que c'est dans le Messie. Luc 23, verset 2. Le Messie qui est entré dans le monde, qui a tout changé, qui a éclairé le monde, un monde pécheur, un monde dévalorisant, un monde sans valeur, un monde sans lumière. Et Dieu l'a éclairé. C'est pas Thomas qui dit son nom, mais ici c'est Jésus même, le Messie. Messie, c'est-à-dire l'envoyé. Mais ici, nous aurons encore la même maîtrise de soi avec la lettre A. Il est Alpha et l'Oméga. Révélation première, qui c'est Apocalypse, bien sûr. Et 22, verset 23. Révélation première, verset 8. Dans la lettre I, il se rend encore la maîtrise de soi, suivez bien, il est immortel. C'est-à-dire, il n'est pas qu'à mourir, il mourit déjà, il le fait bien vivant. Et c'est ça que nous-mêmes, les femmes, nous célébrons chaque jour, pas seulement je dis, ah non, je dis, ah, parce que quand elle permet de ce que nous sommes capables en évidence, en valeur, en honneur, gloire à Dieu. Mais il y a des jours, bien aimés, que nous continuons à être en valeur, nous continuons à être en honneur, parce que notre Dieu est un Dieu d'éternité en éternité. Et maintenant, il est immortel, il est invisible, notre Dieu. On ne peut pas lui voir, mais on toucher dans l'esprit, toucher par des chants, toucher par le jeûne, toucher par la prière, même sous découragé, même sous cette humiliation, vous êtes plus grand que vous, mais restez fort dans les combats. Maintenant, la lettre T, il est la tête de l'église. L'église a une tête, l'église a une maître,
sans qu'elle ait hébergé selon David, parce que la tête de l'Église, Éphésiens 5, 23, Colossiens 1er 18. Et maintenant, la lettre R, encore maîtrise de soi. C'est là, mais Jésus le sauté, là qu'elle nous fait pour qu'on ça, pour après ça, nous prend plaisir à faire. Parce que c'est pas seulement chercher ailleurs, mais chercher même dans maîtrise de soi. La lettre R, il est la résurrection et la vie. Quelqu'un qui était mort, mais qui peut parler de la mort au passé et jusqu'à maintenant. Alléluia! Qui veut qu'il a fait ça? C'est pour un zombie, non? Mais c'est Jésus qui est la résurrection et la vie. Maintenant, la lettre I, bien-aimé, il est l'image de l'invisible Dieu. Dieu, on ne peut pas voir Dieu. Mais des mouns qui sentent, des mouns qui touchent, des mouns qui voient la vision, mais pas ouais personnage là, mais on sort d'image. Et selon Colossiens 1er verset 15, et bien c'est là maîtrise de soi sautée. Maintenant, de la lettre S, il est la source de vie. La vie, bien-aimée, que nous vivons, l'être, le souffle, le mouvement, la respiration, etc., nous avons une double vie. Il faut avoir Jésus en nous pour vivre cette vie. Eh bien, il est la source de la vie. En tant que on va plonger, on va boire de l'eau dans sous ça, nous ne sommes pas capables de faire route ça sans Jésus. Alléluia, gloire. Maintenant, femmes de lumière, les femmes de lumière, nous avons été lumées dans sous ça. Lorsqu'on est tout épuisé, lorsqu'on est mal au bord d'eau le soir, ils font ça, oui. Ils font pas ça, ils font ça. Lorsque tu prends ça, il y a quand même maman, il y a quand même soeur, et nous-mêmes les soeurs, si tu prends un soutien de frère, nous, il y a un problème à madame, soyez des juges, faites justice. Parce que là, nous ne faisons pas justice, nous faisons et souffrir, nous faisons errant, nous faisons va vivre, même si on a pris, il y a un manquement, il y a une faiblesse, il y a un manquement bagaille. Il est la source de la vie. Et c'est la source ça, oui. Parce que les femmes samaritaines ne comprennent pas la loi dans la source là, et puis son source divine, alléluia, son source éternelle, et une source jaillissante, et une source régénérée, qui va changer la vie femme non pour toujours. Alors s'il y a des femmes samaritaines en ligne, pour courage, il y a un jour à bon. De l'eau ça passe soif ou de l'eau ça sent de l'eau pure, ils ont de l'eau sanctifiée, ils ont de l'eau, regardez, on a besoin de bague là quand même, prends courage, on ne peut pas humilier mais pas rejeter, on ne peut pas perdre mais retrouver en Christ, courage, parce que cette source est une source de vie éternelle. Maintenant, éternelle, la femme, Esaïe 9, verset 6, il est le Père éternel, il est le Dieu éternel, il n'y a pas d'autre Dieu, donc pile Dieu qui a dit Simdé là, ah oui, hein, donc pile Dieu qui a dit ou pas très l'aime, donc pile Dieu qui a dit ou pas de l'humain. Depuis Dieu pas de bon manger, mais pourtant, moun qui veut manger au départ, c'est pour nous dire manger dans le restaurant. Madame c'est avant Dieu, c'est moi qui a bon manger. C'est pour bon manger, c'est moi pour bon manger. C'est pas bon manger, m'baou. Oui, pas manger, m'baou le Seigneur, parce que nous-mêmes nous avons babaco. Nous-mêmes nous faction de grâce. Manger, hein? C'est pour les anciens, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de part et d'autre, moun qui a sauté ailleurs, famille, amis, ou recevoir mouille à manger. Mais pourtant, ou remercier le Seigneur avec des chants, des hymnes et des poèmes, des poésies et des témoignages, de quel que soit ça qui est beau, avec la guitare, danse, etc. C'est ça l'action de grâce, nous plonger dans l'éternel fade de ça. Et maintenant, dans la lettre D, il est Dieu, notre sauveur, et Timothée 2, verset 3. Dans la lettre E, il est l'espoir de gloire. Il est bien-aimé, il est qui te maîtrise de soi, agit dans où? Je dis, allons, belle femme. Peut-être que vous n'avez pas oh, des belles filles. Saisis, parce que vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est que la beauté. Parce que la personne est belle en Jésus. Cette femme est belle en Jésus parce que la gloire de Dieu règne en cette femme. Donc, mes bien-aimés, mes chers amis, mes chers collègues, mes chères femmes, restez debout dans la présence du Seigneur parce qu'il y a l'espoir de gloire en vous. Sans pas qu'à ouais, soyez, sans pas qu'à ouais, hier. Il y a un lendemain meilleur pour des femmes. Restez solidement attachés aux pieds du Seigneur. C'est ce qu'avait fait Marie selon Luc 10, 38. Peut-on parler de Marie? Il y a plusieurs Maries à travers la Bible. Il y a Marie, la sœur aînée d'Aaron et de Moïse, qu'on appelle Myriam, selon Exode 2, verset 4 à 10. Il y a encore une autre Marie, qui est la mère de Jésus, que beaucoup de gens savent parler. En pile, c'est celle Marie, maman Jésus que vous connaissez, Madame Joseph, qui est conçue par le Saint-Esprit miraculeusement, selon Luc 1er, verset 26. Il y a encore d'autres Maries. C'est en total 6, mais pourtant la Bible a tout le temps fait référence à 7 à cause de Marie de Magdala et aussi qui a porté encore le nom de Magdala, c'est là à côté de Sotie, dans la ville côté de Sotie, et Marie-Madeleine qui c'est son prénom, c'est là, c'est son nom. Donc il référait deux fois, qui fait paraître comme c'est 7 Marie, mais pourtant c'est 6 Marie. Nous avons
pas mal de Marie, mais pourtant, Marie à Béthanie, qui c'est la sœur de Lazare et de Marthe, Marie, sa bien-aimée, lui fait l'espoir de gloire rayonner en Dakaïla, dans Béthanie. C'est pour Kayou qui a l'espoir de gloire. Si je ne plains, si je ne dis, oh, papa, m'pagé maman, Jésus, c'est tout bagaille pour moi. Qui s'allie pour vous, c'est sans chanter. Là, n'a chanté, chanté, lyrique qui revient. Chanter pour que veine nous fissure dans le corps, nous veine, toute veine dans le corps, nous capable bien épicer avec le sang de Christ. Parce que c'est notre espoir de gloire. Et tout ça, ceci, bien aimé, nous parlons de la maîtrise de soi que nous trouvons. Il est notre sauveur du monde. Il est notre original Dieu créateur. Alléluia. Enfin, nous t'as dessiné, mon Dieu noir, nous t'as peint, mon Dieu noir, pour nous voir comment inspiration, ça c'est un rôle sorti, c'est une inspiration divine. Prends soin de Jésus à soi, pour qu'on maîtrise de soi, pas seulement au gémoun qui mourit, ou à crier dans le mouchoir. Maîtrise de soi, pas seulement au bon calotte, ou chita, ou plaignant, ou pas dit rien, tout autant pas parler, tout autant pas exprimer, ou après t'étouffer, mon ça toujours caloté. Et ça que nous trouvons, on a pile foyer, comme un foyer, au dégrin gauche, comme un foyer, timide parce que il y a une femme qui est en souffrance, pas parce qu'elle ne veut pas manger, not because she can eat, not because she can drink, not because she has money in the pocket, not because she doesn't have money in the bank, but she suffers. Suffering, bien aimé. La souffrance, ça c'est pas la misère. La souffrance, c'est pas des rats, pas des souliers, mais des hommes qui ne comprennent pas leur propre épouse. Des hommes qui ne valorisent pas leur propre épouse. Pour qu'ils sont mariés. Ou des filles tout, ou des mamans tout, ou des soeurs tout. Des maîtrises de soi pour prendre patience à madame ou pour qu'on fait manger. Des maîtrises de soi avec madame ou qui pour qu'on connaît comment ils repassent en pantalon. Parce que, pays d'Haïti va offrir nous rien. Pays d'Haïti offrir nous pour être ce croix qu'on est dans l'école congrégationnelle, pour qu'on ait l'argent ou habiter dans les hôtels. C'est ça pays à offrir nous. C'est ça que quand pile le monde qui vient dans Biden là, il retourne. Parce que vous comprenez que États-Unis ou bien la France ou bien le Canada et tant d'autres, c'est dans tel état. Parce qu'après se voit l'argent, il y a ouais, belle caille, belle auto, bel avion, belle ceci, belle cela. Et puis on vient faire coup partout. Mais regardez, tout le monde a pleuvé, quitté on donc caille, et bien au cas c'était tourné. C'est bien regrettant. Donc nous besoin de comprendre. Qu'est-ce que c'est que la maîtrise de soi? Et pour finir, nous parler de l'amour, nous parler de femmes modestes. Maintenant, nous parlons de Rispa, qui est la concubine de Saül, qui a une maîtrise de soi internationale, formidable, extraordinaire. Parce que cette femme qui fut la concubine de Saül, d'Aine, lui mariée avec Abner, Rispa a deux garçons bien-aimés qui mourent. Mes amis, pourquoi qu'elle est mort? Ou pas qu'il y a monde qui mourit, ou pas qu'il y a maman qui mourit, ou pas qu'il y a papa qui mourit, ou pas qu'il y a mari qui mourit, c'est Dieu, oui, qui a vivre dans le monde, ça, yo. Parce que, même pour nous tuer, ce qui t'a bon, pile zé, ou qu'on est jaloux, ou qu'on est fâché, ou t'en sou pas t'a tuer, parce qu'on perdu en pile zé. Même, oui, c'est pas, bien aimé, qu'il y a deux garçons. Si moun yo pas converti, si moun yo pas servi, bon Dieu. Mais pourtant, yo prend yo perdu, yo, dans des ordres, dehors, débauche, etc. Perdu la vie, jeune garçon, ça, yo. La maîtrise de soi qui se trouvait dans cette femme qu'on appelle Rispa, bien-aimé, a fait éclater la gloire de Dieu. Regardez, femme nan dit, Seigneur, me connais de monsieur Sayo, pas ta servir. Mais pour moi-même, pour la gloire de ton Seigneur, capable de rayonner, capable d'éclater, capable d'exploser dans mes temps côté ma vive, besoin la vie, au corps, s'il te plaît, femme joigno, pour moi pas, pour joie trop pas manger. Mes amis, et ça fait au même qu'à venir sa moun kon George, au même qui besoin de faire moun tomber diable. Et c'est pas pareil, vous nous répétez. Parce que, les constats nous fait le diable habite en nous. Le diable habite dans notre conduite. Le diable habite dans nos paroles. Nous besoin apprendre à gagner la maîtrise de soi, de Rispa, qui t'a gagné petite, li bien aimé, qui t'a mouru. Et puis, femme n'a tellement maîtrisé, femme n'a tellement intègre, il a une intégrité personnelle. Parce que le pouvoir de faire confiance à Dieu, le pouvoir, étant chrétien, étant femme, pour risquer un sentiment de peine, de misère, d'amertume. Il va tant que Naomi, comme dirait le Mara, pendant que Naomi, son nom, c'est beauté, hein? Et puis il a changé de nom pour le Mara, qui signifie amertume. C'est vrai qu'il y a des moments de désolation, mais ayez Dieu en vous. Ayez Dieu dans vos cœurs, ayez Dieu dans votre vie, ayez Dieu dans votre conduite. C'est ça que maîtrise de soi, Bayoua, Rispa, yon inspiration, c'est Rispa capable de demander, faire prière ça pour que le Seigneur, de sa bonne miséricorde, capable d'accorder importance à lui-même. Pour que la foi lui pas mourir, mais ce petit garçon qui mourit. Oh mon Dieu, je te remercie.
Oh, les femmes de lumière remercient au Seigneur. Donc, pina yo la qui ka gen, qui zèv veuve yo ye. Mais yo crié, mais nam yo pas crié, nam yo a réjoui dans le Seigneur. Donc, pina yo la, c'est orpheline que yo ye. Mais nam yo réjoui à l'instar de Rispa, cette concubine de Saül qui fut devenue la femme de Abner, maman de garçon sa yo mouri. Et puis, femme nan, maîtrise de soi, celle qu'on a valeur, la grandeur, et la capacité, l'autorité, le pouvoir de Dieu pour capable. Gagnez, bon Dieu, ça vous dit le fait le jouer une croix. À soi, bien aimé, vous vous laissez partir. Nous croyons que, dans pile monde qui t'a rendu à l'estar de Rispa, mais c'est pas parce que deux garçons, ils ont mouru. Mais souvent, toi, que nous, des garçons, ils ont là, bien aimé. Ce sont des morts ambulants. Ils n'ont pas réglé rien. Ils n'ont pas fait rien, mais deux yeux ouverts. Ils ont respiré, mais nous, des espoir. Même jamais, Rispa, il y a espoir, il y a espérance, il y a compté sous Jésus pour que cette gloire capable d'éclater pour te joindre Koyo. Et il y a une bonne nouvelle pour vous, il y a une Koyo vrai, bien aimé, qui demande que soit, c'est ce qu'a déclaré Matthieu 7:7, cherchez, vous me trouverez, même dans la mort, que Rispa a cherché notre Saint Sauveur. Oh yes, she did, and she found the blood that she asked for. Mes amis, gardez un bon Dieu, c'est ça que fait moi-même comme veuve, m'a résisté, et ou même comme femme, seul, n'a pas résisté. Et ou même comme femme célibataire, n'a pas résisté. Si oui, je parle, le courage, bien aimé, pour faire face à Dieu, malgré la mort de ces deux garçons, ces deux fils, oh Jésus, alors, au grand Seigneur, pour le monde des Seigneurs, quoi, et puis le Seigneur répond, vous, il est calme, ça, quand j'écris, l'Éternel me répond. Vous comprenez, c'est bon, si, vous comprenez, c'est joie, à l'île pour vous, ou bien, des expériences, oui, pas pour vous. Le Seigneur répond, il va finir de décourager, vous dire, si vous mourrez, ça m'est égal. Quoi, pourri, ça m'est égal, il prend la frère Marie-Séti aux femmes de lumière, la frère ramasser prestige aux femmes de lumière, à ma soeur, ramasser qu'à quoi, pour camper dans le Seigneur, parce que ça grand fort père, même si c'est la mort, notre Christ c'est déjà le vainqueur de la mort, et ça fait te dire au mort où est ton aiguillon, au mort où est ta victoire, parce que c'est moi le vainqueur, et c'est la raison pour laquelle que nous devons chanter, oh, plus que vainqueur, telle est notre devise, parce que nous déjà vainqueurs au tombeau, nous déjà vainqueur à la mort, nous déjà vainqueur à la croix, et nous sommes vivants. Et ne pas vivants parce que nous avons l'être, la respiration, le mouvement, mais nous avons Jésus en nous, malgré la mort, n'a succombé, n'a résisté, n'a vivre, n'a joyeux dans le Seigneur. Et c'est ça que fait, malgré la mort, nous pourrons dire que notre Dieu règne encore, n'a servi, et ça fait sous qu'à chanter, sous qu'à témoigner, sous qu'à louer, ou qu'à glorifier, ou qu'à faire action de grâce, ou qu'à prier, fais-le, bien-aimé, femme de grâce, fais-le, femme dévouée, fais-le, femme élue, parce qu'à la croix, Christ nous a élus. Nous étions morts, il fut un temps, mais nous sommes plus mortes à cause de la croix, à cause de son sang vainqueur, à cause de ce sang glorieux. Qu'il en soit ainsi, que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée sous le regard du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous remercie, parce que c'est mon dernier jour. I will be there tomorrow night, but I won't be there to preach. But I will be there to be, you know, to listen and bless. So I take my pastor's wife, I take my friend, Elsie, and all the VIPs online, and I take les femmes de lumière. Je vous remercie beaucoup. Je n'ai pas suffisamment de mots pour vous dire merci. My words are insufficient, but God knows. Good night, amen. In Jesus. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Amen.